Et bonjour YouTube, bienvenue pour le test du deuxième jeu des Guess Awards. Donc toujours avec Euronce. Comment ça va Euronce? Ça va la forme? Ouais, ça commence à lancer le partage d'écran Discord. Ah oui. Effectivement, alors partager mon écran. Le screen. Hop, tu me dis si c'est bon. Ouais, j'arrive. Okay. Alors on est parti pour le test de Glixel, donc le deuxième jeu de Sega The Ward. Donc Glixel, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu créé par Echo, donc E-C-K-O. Explorer ce royaume informatique peuplé de machines et d'entités et essayer de comprendre quel est cet univers. Voilà, donc, très mystérieux. On rappelle que les graphismes et les musiques sont toutes réalisées par le créateur. Tu vois, le menu est justifié. Je parle en termes d'alignement et du coup ça me plaît déjà beaucoup. Okay. Le petit son dans le menu par contre, ah c'est fort. Attends, on va. Effet sonore, peut-être on va baisser les effets sonores, mettre à 40. Peut-être baisser sur le principal, il est où? Le texte est justifié. Il est un petit peu à fond. Salut Kia, ça va? On va baisser un peu le son du jeu, ce qui est assez fort. Salut Kia, comment tu vas? Et puis enfin on est parti, on va laisser donc toujours courir off. Bon, on va laisser parler les paramètres par défaut. Et on peut jouer manette aussi apparemment, encore une fois. Donc, hop. Et puis enfin on est parti, nouvelle partie. Musique déjà très cool hein, dès le départ. Et c'est en français. C'est en français, ça se fait en forme. On est parti pour le test du deuxième jeu des Guess Awards, donc avec Glixel. Et chaque entité a un rôle à jouer. Plutôt cool, donc déjà c'est en français. Une raison pour laquelle elle est créée. Mais si elle échoue à cette seule raison. Ok, donc très très mystérieux. Donc le gameplay, donc c'est plutôt clair. Hein. On a. Ça précise même le plein écran F4, courir, ok. Donc c'est plutôt bien réalisé en soi. Yes. Ça explique bien ça, voilà. Il n'y a pas de touche superflue a priori. Donc ok. Allez. L'utilisation des glitches permet des choses que les entités ordinaires ne peuvent pas. Soyez attentifs à cela. Ok. Oh. C'est plutôt mignon. J'aime bien. C'est sympatoche, ouais. Ok. Peut-être choisir une autre couleur pour l'annonce du lieu parce qu'on l'a pas très bien vu. Alors qu'est-ce que l'on doit faire? Il y a peut-être sûrement un panneau là, voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais quelqu'un s'amuse à désactiver les points de transport. Ok. Si vous savez de qui il s'agit, vous pourriez m'en faire part. Signé l'entité qui doit réactiver les points de transport. Ok. Pour l'instant, c'est très mystérieux, on ne sait pas trop ce que l'on doit faire. On va avancer, on va voir. Une espèce d'arbre cactus, ou je sais pas ce que c'est. Un arbre technologique. Ouais, c'est ça. On va avancer, on va voir si ce que l'on a par derrière. Alors. Chemin possible. Ah, on va rentrer dans le bâtiment. Alors, une lueur bleue apaisante envahit l'endroit. Il y a d'avoir un levier. L'animation est sympa. Il y a des machines. C'est un data stalker. Des data stalkers. Tiens, t'as un bouton à côté du truc bleu en bas. Là? Ouais. C'est un globulbe. D'accord. C'est joli. Ok. C'est vrai que le jeu est plutôt joli en vrai. Pour l'instant, j'aime bien. J'aime bien. Alors, je tiens à préciser qu'il est sur itch.io. Mais que la version que j'ai, c'est la version la plus récente, c'est pas celle qui est sur itch.io. Hein. J'ai une version mise à jour,
Très gentil à lui de m'avoir envoyé cette version là. Donc si vous voulez, vous pouvez le télécharger via sur itch.io. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Hop. Hop, il est là. Et donc ça sera une version un peu plus courte a priori que de celle que j'ai actuellement. Mais qui fait, il me semble, déjà plus d'une heure, de ce qu'il m'a dit le créateur. Alors, on est dans une salle assez grande. Alors, il y a une autre accès ici. On va peut-être finir de... C'est un simple tiroir, ok. On va explorer un peu la salle. Pareil, YouTube, je vous mettrai tous les liens en description, si vous voulez toutes les infos. Ça sera en description de la vidéo YouTube. Cela semble être un écran d'information. Ok. On va rentrer dans une espèce de salle du rayon. Ah, avec un petit personnage, un truc qui brille. Le premier PNJ du jeu. Prisme éteint obtenu. Ok. Alors, voyons, allons parler au PNJ. Oh, je n'attendais pas à voir quelqu'un ici. Elle est toute mignonne. Oui, oui. On ne se connaît même pas. On se connaît pas, je crois, non? Je m'appelle Sia. Enchantée. Okay. Sia. Tu es peut-être perdu. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux me demander. Bah, j'aimerais bien savoir ce qu'il faut faire. Tu te trouves dans la section programmation Blue Glower. Il n'y a pas beaucoup de monde ici. C'est très calme. Pas plus d'infos que ça. Lumière bleue en veut. Une espèce de. Il y a peut-être un levier ici. Est-ce qu'on peut l'activer? Non. C'est un data stalker. Bon. Il n'y a pas l'air d'avoir autre chose à faire. Bon, on va continuer. On va voir. On va voir, on va voir. Pour le moment, j'ai pas grand chose à dire, perso, si ce n'est peut-être le manque d'informations sur un possible bug dans le jeu. Ouais, mais je pense que c'est pour justement. Faire l'exploration, quoi. C'est peut-être le but recherché, justement, de nous laisser un peu dans un endroit mystérieux. On sait que ça se veut être un jeu mystérieux, donc. Je veux dire, c'est annoncé. Steel patch, steel pass. Ouais, ça empêche pas. Oui, mais... on a eu la petite histoire au début, donc on sait où est-ce qu'on est. Je dois me rendre à Steel Pass, mais l'entrée est fermée. Je vais attendre tout seul jusqu'à ce que ça s'ouvre. Ok, donc ça c'est l'entrée pour aller à Steel Pass. Ok. Donc, je pense qu'il y avait un accès en bas ou pas? Non. Là, tout est fermé. Il me semble qu'il y avait un accès en haut encore qu'on n'avait pas été voir. Ah, là, il y a un petit prisme éteint obtenu. De quoi? J'aime beaucoup la direction artistique du jeu. C'est très joli. C'est plein de globules. Ils sont jolis. Puis bah, le pixel art est propre en plus. Salut SMB, ça va? Salut SMB. La musique d'ambiance est sympa. Ouais, ouais. Musique, rappel, entièrement fait par lui. Par écho, donc vraiment non, c'est hyper quali. Vous n'avez pas de particules d'échange, ok. Le générateur n'est pas alimenté. Bon, en vrai, le seul reproche là, que j'ai à faire, c'est sur les carrés bleus là, pète un peu les yeux. Mais c'est tout. Ah, non, pour recharger un prisme éteint, placez-le dans le générateur. Ok, donc on a des prismes éteints, il faudra le placer ici pour recharger. Le générateur pour l'instant n'est pas alimenté. Ok. Il va falloir l'allumer. On va retrouver ouais, comment l'allumer. Prendre information. Donc là, ah bah là, il y a des. Ah, ok. Il y avait des carrés allumés éteints, je crois, en bas. Voilà. Donc c'est le troisième qui est éteint et les trois autres. Ok, une super bonne gestion de la lumière. C'est super cool. Les couleurs me font penser au biome néon dans Trove. C'est du bleu écrit. Ouais, c'est un peu ça. C'est exactement ça, ouais. Sur Steam, what the fuck?
De quoi? J'ai vu que j'avais Trove sur mon PC depuis 2015. J'étais pas au courant. Alors. Ah, oui, c'est marché. Ça a marché. Est-ce que ça a marché? Tout est allumé. Oui. La machine est ouverte. Alors, comment ça fonctionne? Je vais déposer le prisme pour le recharger. Le prisme est chargé. Okay. Ok. Donc là, on a chargé. Ok. Est-ce que ça me fait toujours ça? Ah, c'est ok. Ça détecte quand il n'y a plus de prisme. Ok. Vous ne disposez pas de prisme à recharger. Ok. Donc on a rechargé les deux prismes que l'on avait. Et donc, la porte où fait la prisme, c'était en haut, là-bas en haut, au milieu en haut, je crois. Hop, c'est celle-ci. Hop, voilà. Alors, la petite étoile. Il y a un objet particulier par terre. Ah, et la musique s'arrête. Glitch contrôle obtenu. Tu triches. Arrêtez-vous immédiatement. Ah, des petits robots. Veuillez rendre l'objet que vous venez de prendre. Glitch contrôle perdu. Oh. On m'a volé. Merci de coopérer et vous n'aurez pas plus de problèmes. Sinon quoi? Maintenant, veuillez nous suivre. Ah, l'interrogatoire. Non. Inconnu. Provenance. Inconnu. L'entité refuse de communiquer. Et ça t'apprendra à tricher. Elle a deux autres glitches sur elle. Je les jette aussi? Je suppose, ouais. Mais c'était pas... le robot, quoi. C'est pas des glitchs en plus, c'est aussi des glitch érase et glitch brisé perdu. Ouais, je savais pas que j'avais ça. Ah, j'avais pas regardé les autres touches si on avait un inventaire. Ouais, c'est vrai que j'ai pas regardé ça. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, on a juste l'ordre d'arrêter les entités suspectes. Et le corps est trop. Je peux le temps de lire. Donner à ne pas dire. Tiens, je vais pas. Ah, oui, c'est vrai. Bah moi j'ai d'autres trucs à faire. Attends, qu'est-ce que je fais d'elle moi? Tu te débrouilles. Je vais les demander aux autres. Okay. Et toi tu restes ici hein? Oui, bien sûr qu'on va rester là. De toute façon il n'y a aucune sortie, aucune. Ouais. Bon bah on va y aller mais je pense que c'est fermé. Hein. Ouais. Faut aller dans le trou qui est à gauche, je suppose. L'attrapant lâche sale. L'écriture semble mécanique. Le lire? Ah oui, hein. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi avoir mis une poubelle dans cette pièce alors qu'il y a une poubelle avec lien direct sur la décharge dans cette même pièce? Bon, voilà. Bon, on s'en doutait que c'était par là. Hop. Allez. Partons. Il est possible de se glisser dedans. Y aller? De toute façon, il n'y a aucune autre sortie. Bon, bah oui, hein. On va pas rester là. Ouais, la poubelle. Ça se fait plus trop, ce genre de truc, maintenant. Ouais, mais c'est bien, moi j'aime bien, c'est marrant. J'ai senti ta présence dès que tu es arrivé ici. Ah, tu as le même code que lui. Qui nous parle? Je t'en prie, laisse-nous en paix. Glixel. Bon, l'intro du jeu est passée, du coup. By Echo. Ah, sauvegarde. Bon, bien sûr, on va sauvegarder. Bien sûr que l'on va sauvegarder. Ah, on se réveille dans les égouts. Les niveaux avec les égouts, c'est bon. C'est bien un jeu vidéo. Et merci pour ton resub, Meta. Non, c'est toi. Là, c'est, ça s'affiche pas. Pourquoi ça s'affiche pas? Salut, Meta. C'est le métal. D'ailleurs, c'est affiché comment le. Ah, parce qu'il l'a pas fêté. Fête ton resev. Comment on le fête? Je pense que sur le chat, ça te met le fêter. Normalement. D'ailleurs, faudrait qu'on mette le truc de Ethyliel, là, genre les émotes qui apparaissent à l'écran. Ouais.
Alors, c'est le corps d'un robot. Ouh, il y a un truc un peu bizarre. T'as le droit à l'émote cœur maintenant. Hey. Il y a une boîte qui flotte. D'ailleurs, j'en ferai d'autres, mais il faut que je crée un nouveau personnage pour. C'est bizarre que ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? J'ai cassé la scène. Bah, alors j'avoue que j'ai refait les scènes, mais normalement non. J'aime beaucoup le style minimaliste du jeu, c'est très joli. Ouais, dans mon sens, moi j'aime bien. J'aime bien. En plus, c'est ton genre de jeu. Ça touche à la corde sensible. Si je fais abonnement d'essai. Ouais, non, c'est que ça. De lire le serveur Discord ou Twitch pour utiliser les modpacks. On fait ça comment? Tu peux utiliser les modes de toute façon de base sur le Discord. Hein. Les émissions Discord, les émotes de toute façon. Pourquoi ça veut pas? Bah tu devrais pouvoir aussi les utiliser du coup là. Parce que moi j'arrivais à les utiliser chez Eti. Loop, si je fais ça, enregistrer. Tout. Oui, ça marche. Non, il cherchait à faire afficher okay. les subs. Alors, je sais pas. Alors, du coup, voilà, c'est ce que je cherchais. S'il y avait un menu, objet, donc prisme chargé, map, glitch. On a juste un objet, un prisme. Bah, je sais pas, mais ça faudra qu'on regarde. Ouais. Option, ok. Pas plus que ça. Ok. Bon, on peut pas sauter, on peut pas. C'est la tête d'un robot. Ah. La tête d'un robot. Ah, mais il y a un truc qui bouge là. Oui, il y a un petit robot. Oh, tu es réveillé? Ah, c'est celui qui nous a récupéré. Du coup. Il a laissé son prisme, ça va pouvoir servir. Oui, je pense, ouais. Est-ce que ça va? Comment tu te sens? Je t'ai vu tomber dans la décharge, tu as fait une sacrée chute. Mais je suis soulagé, tu as l'air d'aller bien. En revanche, je me demande pourquoi tu es allé dans une poubelle. Oublie ce que je viens de dire. La décharge n'est pas un endroit très accueillant. Ça, c'est sûr. Fais attention à où tu mets les pieds. D'accord. Le texte a l'air ok. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de fautes. J'en avais pas vu, ça m'a pas sauté aux yeux, en tout cas. Ce robot n'est visiblement plus fonctionnel. Ok. A priori, il faut monter. Non, on peut pas monter. Ah! Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, mais si, je peux aller en bas. Hein. Une sortie en bas, non? Ouais. Ouais, le jeu est mignon, ouais. Petite étoile. C'est propre en plus, c'est cool. Particules d'échange obtenues. Il y a une particule de téléportation à l'intérieur. Ah, donc faut fouiller les poubelles. Hein. Faut fouiller les poubelles. A priori, on peut trouver des choses dedans. Ah, on peut aller par là? Ouais, on peut aller par là. C'est cocasse, une poubelle dans la décharge. J'avoue, c'est marrant. J'avoue, c'est très drôle. On va continuer. Ok, alors, qu'est-ce que c'est que ça? La luminosité, il maîtrise, hein. C'est vraiment cool. C'est plein de bric-à-brac. Il y a une fissure dans le mur, il pourrait facilement s'effondrer. Okay. Je
Je pense qu'il va falloir trouver un petit truc pour exploser le mur. Sabotage! Oh, tu es toujours là? Je pensais que tu serais déjà parti. Faudrait-il trouver la sortie déjà? Je trouve le corps vraiment incroyable. J'aime bien venir ici l'admirer. Mais depuis quelque temps, je ne sais pas pourquoi, sa lumière s'atténue. J'espère que ce n'est rien de grave. Excuse-moi. Oh, je ne m'attendais pas à ce que tu me parles. Je t'écoute. Comment fait-on pour accéder au corps? Il faut passer par l'aume. C'est de là que tu es tombé. Ok. Donc c'est bien. Là, on nous explique un peu plus le but du jeu, je pense. Ce qu'il va falloir qu'on fasse. Il y a un problème? Disons que je crois ne pas vraiment être la bienvenue. Les gars ne veulent pas que tu y ailles? Ils sont là pour protéger le corps, mais si je ne me trompe pas, ils sont un peu sévères en ce moment. Oh, du coup, ce sont les gardes du corps... Du corps. Amusant. Yes. Les gardes du corps du corps. Cela dit, je n'ai jamais compris pourquoi le corps tenait à être tant protégé. Ça, on va sûrement l'apprendre plus tard. Enfin, il faut que je retourne travailler, sinon les déchets vont vite s'empiler. Oui, parce que pour l'instant, du coup, on suppose qu'il va falloir raviver le corps, mais on ne sait pas à quoi il sert fondamentalement. Je sais où, je ne vais même pas rappeler, mais oui, non. Il n'y avait rien d'autre. Ah, petite échelle obtenue, si. J'ai bien fait de revenir. Ah ouais, mais je pouvais pas y aller. Là, j'ai pris la petite échelle, donc hop. C'est bon. Glitch érase, contrôle est brisé obtenu. Ah, alors est-ce que c'est... Alors comment ça marche, du coup? Particules d'échange, glitch érase. Certains glitches possèdent des capacités très dangereuses, ce qui explique pourquoi tout le monde ne veut pas s'en servir. Donc le glitch brisé, je pose pour passer le mur. Alors, comment est-ce qu'on peut utiliser? Dans cet état, ce glitch ne sert à rien. Ok, donc là on peut pas l'utiliser quoi. Ok, pour l'instant on peut pas l'utiliser. Ouais, on va retourner en arrière. Voir s'il y a des nouveautés. De toute façon, il y a un endroit qu'on n'a pas exploré, il me semble. Il y avait un autre accès. Par là, je crois. Je sais pas si on pouvait continuer ici, voilà. Ici, on n'y a pas été encore. Fouillons la poupelle. Oh. L'échelle s'est cassée. Ah, ça c'est plutôt bien fait. Bon, ouais. Faut aller à l'aume, non? Oui, ça je vous doute bien. S'il te plaît. Attends. Restez avec moi, je suis seule. T'es trop grosse, lol. Je voulais te dire au revoir et... Oh. Voilà, ça fait longtemps que je n'avais pas eu de la compagnie. Oh, c'est trop mignon, le pauvre. Alors, merci. Trop triste. J'ai failli faire tomber ma bouteille de Sprite. J'ai été heureux de te rencontrer. J'espère qu'on se reverra. Mais oui, je t'enverrai une carte postale. Ah oui, et tu aurais pu me demander pour la porte. Je te l'aurais ouverte. J'avoue que oui. Bon voyage. Ok. Hop. Alors... Il y a Mystic Current. Décharge. Changement d'ambiance un petit peu. Ouais, c'est sympa. Ouais.
appuyez sur le bouton pour appeler le wagon. Ok. Le wagonnet. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je sais que je suis petit, petit, mais j'ai du muscle dans le mucus, ok? Même, en vrai, je trouve les dialogues sont plutôt bien, bien faits, en vrai. Ouais, il y a de l'humour, c'est marrant. C'est bien pensé, c'est... Ouais, non, franchement... On sent qu'il y a du taf derrière, quoi, clairement. Il ouais, y a deux, trois trucs à peaufiner en soi, mais c'est assez propre, en vrai. Ouais, mais le jeu n'est pas fini, hein. Le jeu n'est pas fini. Alors, est-ce que ça on peut interagir? Non, ça on peut pas interagir. Alors ça manque d'une map parce que du coup je sais pas où je suis. Mystic Run, noyau énergétique des machines, création d'énergie pour tout système. Ok. On va aller par là. Steel Pass. Ah, et on change encore d'ambiance. Passe sur le violet. Ouais, de toute façon, je suis client de ce genre de pixel art très simple. Là, j'aime beaucoup le pixel art où c'est pas beaucoup texturé, quoi. Mm. Les choses vont à l'essentiel. Ah, il y a du monde. On va aller voir avant. Là. Ouh, il y a full robot. Oh merde. Ce robot est tout neuf et est désactivé. N'ayant pas d'alimentation, il n'est pas possible d'en prendre le contrôle avec le kick control. Oh. Oh, il y a. Attends, remonte. Il y a une, il y a une animation qui a l'air cool. Mince. Ah. Ah, ben on la voyait aussi. Là. Ouais, j'aime bien, marrant. La chaîne de production. Ouais, c'est drôle. Alors, on arrive, tiens, on y arrive. C'est une poubelle. Particule d'échange obtenue. Poubelle simulator. Cette machine peint les robots. Vas-y, go faire un jeu, on l'appelle poubelle simulator. Je trouve que ça glisse en plus. Oui, c'est sûr et certain. Ah, cool. Quoi? Je comprends pas. Il va falloir appuyer quand il est sur le carré, non? Gagné! Oh, non. J'ai gagné. Rien que pour le nom, je testerai. Bon, vas-y, go. On fait une production récré, on l'appelle Poubelle Simulator. Je ne financerai pas ça. C'était possible d'y vrai. Je financerai pas ça. Bah quoi? Si je te dis que tu contrôles des poubelles et que tu peux faire des combats avec des poubelles, ça peut être marrant. Ça y est, je suis parti trop loin. Ah, c'est pour ça d'être revenu au début. Ça me dit quelque chose là, non? C'est pas là où on était au début? Oui. Ah si, c'est ça. On est revenu voir la petite là. Si tu veux te rendre à la ville, c'est pour le moment impossible. Un robot bloque la porte. Une entité est normalement chargée de s'en occuper, mais je me demande ce qu'il fait. Désolé, je crois que je vais me remettre au travail. Ok. Bon, on est revenu là où on était au début. C'est une bonne chose, je pense. Thank you.
Alors, je sais pas s'il faut regarder les tiroirs à chaque fois. J'ai l'impression qu'on peut pas trouver grand chose dans les tiroirs. Ouais, il y en a alors des. Ça, je pense que c'est des notes. Ah, on peut pas les lire. Okay. Le message sur la feuille, le lire. Oui. Depuis quelques jours, je me sens bizarre, comme si j'allais partir en fumée. C'est vraiment étrange comme impression. J'espère que ce n'est qu'une sensation. De quoi ? Il a été chercher le simulateur de poubelle. Ah oui. Bon. Du coup, je vais dire, Meta, tu sais comment activer les émotes de bienvenue sur récré ? Genre, il y a des jolis stickers et tout, et nous, on les a pas, c'est chiant. Ah oui, si, on est revenu à la machine. C'est un tableau, toi, qui ressort. C'est pas là qu'on a les... on échange. Ah, c'est que ce des tout pliant. Alors, particules de soin. Ah, donc on a du soin, potentiellement combat. Prisme éteint, map blue blower. Ah, ça peut être pas mal, ça, une map. On va tester la map. Merci pour votre échange. Et puis on va prendre une particule de soin. Je sais pas si je fais bien. Mais... alors, map, carte de la zone de Blue Glower. Comme son nom l'indique, cette zone est enveloppée de lueur bleue. Ah, voilà. Et on est où ? Dans le distributeur là. De quoi ? T'es au distributeur là. Ah, mais oui. La carte te le dit pas. Si, c'est juste que c'est bleu sur bleu, je pense. Putain, j'ai bougé. Allons par là. Ouais, ah, c'est non. Ça, t'es pas indiqué sur la carte. C'est ce ouais. Que je dis. Effectivement. De mémoire, on avait continué. Il y avait une porte là. Non, je sais plus. Ah non, c'était pas ici la porte. Je sais plus par où on avait accédé. Retournons par là. Passer par là, comme là on ressort. Ok, mec, pas. Ah, il est là le robot. J'ai le glitch control. Ah, oui. C'est marrant. Rebrousser le chemin. Ah, c'est donc bon. Dès que tu t'éloignes trop, c'est, ouais. C'est mort. Ok. Tu peux pas faire ce que tu veux. Et donc, ça nous débloque l'accès. C'est de ta faute. Ah, on a retrouvé nos amis. Tu sais que c'est mal de jeter le caillou sur les autres. Quoi ? Pardon ? Pardon ? Qu'est-ce qui a repart Robert en rose ? Mais what the fuck ? Attends, mais c'est toi qui m'as dit qu'il avait toujours voulu être de cette couleur. Et puis tu lui as dessiné de la pilosité faciale. À vous, il est plus drôle comme ça. Ça, c'est ce que je désapprouve. Ça me fait penser à la chaîne quand on dessine sur. Sur Thibaut. Ah, c'est marrant. Ouais.
aller suivre, hein, je suppose, non? Un peu. Le jeu a une bonne science du rythme, c'est assez cool. Y aller ainsi est trop dangereux. Okay. Faut pas y aller comme ça. Home, accès au corps. Ah, l'accès au corps est ici. Les autres, entrer au skip. Ok, faut avoir rendez-vous avec le corps. Comment prendre rendez-vous? Allez sur Doctolib. Là, il est sponsorisé par... Non, c'est pas vrai. Porte ici. La porte est fermée. J'ai plus de... Il semble servir du générateur de ce robot. Ah, ok. Robot, du coup. Là, lui. Ah bah oui, il était caché. Ah, c'est pas mal le petit... Ouais, c'est sympa, ça. Ouais. Ça, c'est une bonne mécanique. Ok. Bon, de toute façon, d'un point de vue game design, il n'y a pas grand-chose à dire de négatif sur le jeu. Ah, zone en cours de création. Ok. Mais ça, c'est un titre d'indication pour les joueurs. Nouveauté, correction du bug de téléportation, possibilité d'acheter des maps pour distributeur, apparition du nom. Ok, donc lui, il est rendu là dans le développement en gros. Rien n'a été modifié, dialogue, item. Donc là, en gros, il peut y avoir des bugs. Ça, c'est plutôt cool. T'sais, il prévient que c'est pas encore terminé. Ça, c'est plutôt une bonne idée. Ça va arriver d'ici la fin de l'année. Un peu de patience, cette map est très grande. Il y a beaucoup de personnages et de dialogue. Bonne visite, et si vous avez tout fait, merci d'avoir joué à la démo. Ok. Donc là, ce sera la fin. Mais nous, on n'a pas tout fait. Hein. Il nous manque plein d'endroits à visiter. Bien entendu. Mais ça, c'est plutôt... plutôt bien fait comme message. Bon. Continuons à explorer. Parce que clairement, on n'a clairement pas tout exploré. Le problème, c'est que j'ai en moins le sens de l'orientation pour me rappeler par où est-ce qu'on est passé. Bon, là on a tout fait a priori. Yiz, t'as oublié un objet. Descends. Où ça? Vers la droite. Ah ouais. Bien vu. Particules de téléportation. Alors les particules de téléportation, on peut pas les utiliser du coup? J'ai pas joué, je connais pas One Shot. Particules utilisées pour payer les téléportations. Alors faut quand même aller arriver sur un truc de téléportation. Je sais d'ailleurs même pas ce que c'est One Shot. Ah ici One Shot, c'est pas le truc où tu dois ralentir le temps pour. Je crois, non? Ou je me trompe peut-être de jeu. Je sais pas du tout. On va retourner en arrière. Ils me font triper les robots, hein. Ils sont vraiment trop classants. Ouais, j'aime bien. Allons par ici, je sais plus si on y a été. Je sais pas pourquoi, mais quelqu'un s'amuse à désactiver les points de transport. Ouais, on l'a vu. Ah, mais c'est le début du jeu. Un jeu RPG Maker est vraiment trop bien, mais j'ai envie de tester vraiment de l'exploration. Ok. Ah, bah c'est pas du tout le jeu que. Ah, c'est la téléportation ça? Aucun autre point de transport ne semble disponible pour le moment. On va y réessayer plus tard. Okay. Ça, c'est les cabines de téléportation. Mais... Je comprends bien. Ça a l'air, ouais. Prendre transport requiert l'usage d'une particule de téléportation, une particule par transfert. Ok. Le meilleur jeu RPG Maker, c'est Kingdom Hearts Rebirth 1 et 2. Mais je veux rien savoir. c'est pas négociable. On va retourner dans les pièces où on était... Tu peux y jouer, je les ai mis en lien de téléchargement sur Écrémet. J'ai mis le 1 parce que le 2, j'ai pas le droit de vous le passer. Il y avait un perso, à un moment donné, il y avait un perso, mais il faut que vous m'y retourner. Parce qu'on a loupé un personnage, je crois, à un moment donné. C'est possible, c'est possible. Voilà, je ressors. De toute façon, si le lien téléchargement est mort, je l'ai sur mon PC aussi.
Ah si, faut que je ressorte par là-bas. Il faut que je ressorte par là-bas. Qu'est-ce que c'est? Faut qu'on aille. Oui, ils savent qu'on est. Retourne à Steel Path. Voilà. J'ai retrouvé le chemin. C'est marrant cette petite zone. Cette petite zone de transition. C'est intelligent. Par là. Oh, puis j'ai mis en sol, t'as le. Ça te montre le chemin sans trop te le montrer. Yes, t'es pas perdu quoi. C'est intelligent effectivement. Lui on l'avait vu hein. Oui. Si, là, j'ai fait... Ah bah non. Ah non, comme ça commençait à être long d'attendre tout seul, j'ai fait tout le tour pour venir ici. Ok. Mais il était pas là lui tout à l'heure. Bah non, il était pas là. Le meilleur auquel moi j'ai joué, c'était une démo sur les Dark Souls démo. Ah oui, tu m'en avais parlé une fois. Ouais, bah c'est parce qu'il est sur mon compte méga, donc en fait, tant mieux. Tiens, un objet. Ouais. Particule d'échange obtenue. Et il y a le petit perso là-bas à gauche. Bon, et bien c'est ici qu'on va faire la première pause YouTube. La première fin de... La première partie de ce jeu pixel. Très très bonne surprise, en tout cas pour l'instant. On va voir ce que nous réserve la suite. Merci YouTube, on se retrouve très vite pour la deuxième partie de Glixel, toujours avec Ronce. Allez, bye YouTube.